La lettre de Macron, mais c'est une lettre de moquerie, c'est une lettre d'injure, c'est une lettre de mépris. Yo, Mereta Makwa, Macron a félicité Alpha Condé, Macron a félicité Alpha Condé. Entre vous et moi, là, relisez la lettre. Si vous allez voir là-bas, félicitations. Revoyez la lettre. Les maudits blogueurs, Harl Taré, Dankadie. Vous ne pouvez pas lire aussi et comprendre. Vous ne pouvez pas lire et comprendre. Dis ça, nettoyer un moment autour de Drago. Nabana. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est une lettre de moquerie. Et moi, je croyais au moins qu'il y a quelques personnes au sein du RPG qui comprennent. Mais ce n'est pas une lettre de félicitations. Prenez la lettre qu'il a adressée à Ouattara. Relisez, vous allez voir, je vais vous lire les deux lettres. Hein. Vous allez comprendre rapidement. Vous allez comprendre qu'il a méprisé Alpha Condé. Et il a reconnu Ouattara. Il a félicité Ouattara. Il a reconnu les efforts de Ouattara. Alpha Condé, plutôt, il n'a pas félicité. Aman Fafalabe, Arwal Tingrinira. Il n'a pas félicité. Ce n'est pas l'être de félicité. Wouh! Non, Kharanyor. Demain, vous allez voir quoi. Je vais vous détailler tout à l'heure pourquoi ça. C'est une lettre de mépris, c'est une lettre de moquerie. Une lettre qui vient d'un président, une lettre qui représente l'État français, doit contenir au moins le sceau de la République française. L'entête doit être de la présidence. Mais il fait tout le monde, car le fait, n'y a pas de si c'est authentique même. Franchement, je me demande si c'est authentique. Hein? Et fait tout le monde, c'est ce moment que Macron a, c'est ce moment que ça vient de la République française. Et pourtant, la France connaît bien le processus. Si tu dois adresser une lettre à un État, il en tête l'humanité, ça doit respecter l'État là. Mais à l'une lettre, c'est même un blacourima. Il y en a un. Non, vraiment, ils se sont foutus de la Guinée. Hein. Mais c'est pas eux, c'est Alpha Condé. C'est pas eux, c'est Alpha Condé. Dis lettre, il y en a, Mindy. Attendez, je vais vous lire un peu la lettre là, vous allez comprendre. C'est pas la lettre de félicitations là, il a mon mandat reçu là. On s'est moqué encore de la Guinée de Sékou Touré. Eh, la Guinée de Sékou Touré. En ce que France, en français, frère français, ben, faut français Bignan. Faut français Bignan. Un vrai président, il va en France, il dit aux Français, je viens négocier de part égale ici. On ne vient pas demander. Lettre, où sont ma lettre? Ma lettre de félicitations, montrez-moi félicitations dans la lettre. Relisez la lettre et montrez-moi félicitations. Montrez-moi une phrase qui démontre qu'on félicite quelqu'un. Une phrase seulement. Je vais vous relire la lettre ici. Ensemble, on va voir s'il y a une phrase au moins qui représente parce qu'on peut féliciter quelqu'un sans dire félicitations. Mais s'il y a une expression qui exprime les félicitations là-bas. Non, Kharanyoron. Il faut même aller sonner et tant Kharanyoron. Des maudits réunis. Repartez, relire la lettre. Et puis, lettre de mépris. Lettre impolie. Waouh, Kharanyoron. Ah, il fallait la mine. Si je savais, j'allais sauver ça là, quoi. Hein? Lettre de mépris total envers la Guinée. Alpha Naya, mais les gens foutent la Guinée, ma. Sinon, dans les conditions normales, on ne peut pas adresser une lettre à un président comme ça. Et une lettre à l'oufei, à la volée. Et à la. Et, n'y a pas de Nassana Naya. Mato Konok. Oh non, les RPGs. C'est pas la lettre là que vous allez brandir. Après tout ce que vous avez dit de Macron, on va l'être impoli à nous, maman son. Allez ni lettre sambama bilakurema. Bilakure, c'est pas un jeune, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas circonscrit. Circoncis. Hein. La lettre qu'il a adressée à Alpha Condé, écoutez. D'abord, regardez la lettre. Lettre à Bolori. Non. Il dit à la suite de la confirmation par le Conseil
constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Guinée, je tiens à vous transmettre, ainsi qu'au peuple guinéen, mes voeux de succès. Ça ne veut pas dire félicitations, hein, parce qu'il est obligé. Ce n'est pas félicitations, ça. Félicitations, mon ex-féo. Regardez maintenant ce qu'il a dit à Ouattara. Parce qu'on s'est en comparaison, on m'a dit, Harley, ce qu'il a dit à Ouattara. C'est la lettre qu'il a adressée à Ouattara. Non, en tête, Mouna, mais regardez le contenu. À la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes voeux de succès. Il a mentionné ici, félicitations. Chez Alpha Condé, c'est l'un d'eux. Donc, mes voeux de succès ne veulent pas dire félicitations. À ma félicité. On va continuer. Ensuite, il dit à Alpha Condé, plus loin, il dit à Alpha Condé. Je mesure les attentes du peuple de Guinée et les défis auxquels votre pays fait face. Qu'il s'agisse du redressement de la situation économique qui est déjà à terre et sociale qui est déchirée complètement, avec la crise sanitaire, et on n'a même pas de solution mondiale, ou à la réconciliation entre tous les Guinéens, parce qu'Amar est bien divisé, c'est un président divisé. Après les violences, les divisions et les interrogations qui ont émaillé ces élections. Ça, c'est pas félicitation, c'est plutôt moquerie. Votre capacité à y répondre dans un esprit de dialogue, de consensus et dans le respect de l'état de droit sera essentiel. Vous avez compris ça, car paragraphe Singhélène Kawan. Regardez chez Ouattara, après l'avoir félicité, ce qu'il a dit à Ouattara. Au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l'occasion de ces scrutins, le dialogue que vous avez initié le 11 novembre avec le président Henri Konan Bédié est porteur d'espoir. Je souhaite que ces premiers pas vers le rassemblement et l'ouverture puissent jeter les bases concrètes d'une réconciliation plus large et plus durable entre tous les Ivoiriens et toutes les capacités politiques dans le respect de l'état de droit, afin de tourner la page de la violence et de la division. Omarato, Namani, Amou Sermon, Amouraba, Anara. Afa Alpha, t'en sermonné. Alors, Aradou Medi. Mais alors, Alpha, quand les Français, Nargo, donc c'est Aradou Medinar. Continuons. Ensuite, il dit à Alpha Condé, la Guinée doit poursuivre les réformes que vous avez entamées en matière d'éducation. En matière d'éducation, d'accès à l'énergie, de santé et de bonne gouvernance afin d'œuvrer aux réconciliations du capital humain du pays. Les relations entre... Non, c'est même pas la peine, quoi. Au moins, moi, président Fourinanta Nara, Macron, un enfant comme ça, ne peut pas adresser une lettre comme ça à Alpha Condé. Regarde ce qu'il dit à Ouattara. J'ai confiance en votre capacité à porter votre ambition pour le pays et à accorder aux nouvelles générations la place qui leur revient. Et non, regarde, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la France
pour continuer à bâtir un partenariat étroit, propice à une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de nos populations à la hauteur de l'amitié ancienne et unique qui les lie. Regarde, Alpha Condé, tu as dit, la relation entre les deux pays anciennes est résolument inscrite dans un destin partagé. La France continuera à se tenir aux côtés du peuple. Non, Macron, tu es mauvais président avec Alpha Condé. La France continuera à se tenir aux côtés du peuple de Guinée pour le développement économique. Et puis, il n'a pas confiance à Alpha Condé parce que c'est pas Alpha. Lettre de félicitations, Nanaki. Wonu Alara, entre vous et moi là, Macron n'a pas félicité Alpha 1 parce que ça, dans sa lettre même là, il n'y a pas de félicitation. Et à Ouattara, il a dit, je vous félicite. À moi, Alpha a félicité. Il a fait cette lettre peut-être pour protéger les intérêts des Français qui sont menacés. Parce qu'il sait, Alpha Condé est capable. Il peut engager une lutte qui va être farouche pour le peuple de Guinée. Uniquement parce que à moi, mon Français, uniquement Macron lettre, c'est bien en tout. Si ce n'est pas ça, il n'allait pas écrire la lettre.